Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Super. Donc je me présente, c'est Mougarit Akeddine, consultant technique chez Cooprime sur les outils BI et Clarity. Aujourd'hui, je vais présenter un comparatif des outils de reporting, les leaders de marché. Donc, pour commencer, on va parler sur le reporting. C'est quoi le reporting? C'est le fait de sélectionner des données relatives à telle période, tel produit, tel secteur, trier et regrouper les données, réaliser des calculs sur ces données et surtout présenter de manière graphique ces données pour comprendre rapidement ce qu'on veut dire, pour à la fin avoir quelque chose qui ressemble à ça, des rapports, des tableaux de bord. Pour réussir un reporting, on commence par déterminer l'objectif de notre reporting, collecter les données en interrogeant la base de données et transformer les données en informations. Pour ça, on utilise des outils de reporting. Donc, il faut vraiment choisir le bon outil de reporting par rapport à notre besoin et ce qu'on veut faire. Et après, on va mettre en avant les graphes et on optimise le rapport. Et à la fin, on va voir le feedback d'utilisateurs. Voici le dernier classement des outils de reporting et les outils BI de Gartner qui date de février 2020. Et là, on voit bien qu'il y a deux outils leaders de marché, c'est Microsoft et Tableau. Et il y a aussi TIBCO Software avec l'outil Jaspersoft qui sont leaders des outils BI open source. Mais ça se distingue vraiment, il y a Microsoft et Tableau qui sont vraiment leaders sur le marché. Et aujourd'hui, on va présenter les trois outils, donc les avantages et les inconvénients de chacun et la différence entre ces trois outils. On a une demi-heure, donc n'hésitez pas à poser les questions si vous avez. Pour les outils BI, donc on a Power BI et Jaspersoft et Tableau. On va pour les utiliser, il suffit de les connecter à une base de données ou des fichiers à plat, Excel par exemple. Et cette base, soit elle est alimentée par un outil PPM ou par n'importe autre outil. L'essentiel, on va connecter notre outil de reporting à une base de données ou utiliser directement des exports. L'outil, on commence par l'outil Tableau Software Data Visualisation. Donc, Tableau a été créé en 2003. C'est un outil de reporting qui permet d'interroger des cubes, des bases de données, des feuilles de calcul pour générer des graphes, des tableaux de bord. Cet outil, il est composé de plusieurs softwares. Le premier, c'est Tableau Desktop qui permet de concevoir les tableaux de bord, de créer les tableaux de bord, les rapports. Tableau Serveur qui permet de diffuser et partager ce qu'on va développer sous Tableau Desktop, donc partager, diffuser les dashboards. Tableau en ligne qui permet d'interagir avec les tableaux de bord en mode web. Donc, on peut sélectionner des données, utiliser les filtres et tout sur Tableau en ligne. Tableau Reader, il permet de visualiser les dashboards en local, donc au sein de l'entreprise ou sur juste votre poste. Tableau public, il permet d'intégrer les tableaux de bord développés dans un site web. Ça, c'est l'interface qui permet à se connecter du Tableau desktop à la base de données. On voit bien qu'il permet la connexion à plusieurs bases de données les plus utilisées sur le marché, et même des fichiers à plat comme des fichiers Excel, ou même OneDrive ou OData, qu'on peut se connecter directement pour créer des rapports. Voici un petit exemple sur la simplicité d'utiliser Tableau. Ça, c'est l'interface de création de rapport. À gauche, on a les colonnes de nos données. Donc, il suffit de glisser les colonnes sur cette interface-là et automatiquement, Tableau va proposer un graphe qui correspond aux données qu'on a mises. Mais à tout moment, on peut le changer.
On peut le changer, enfin, on peut prendre un autre graphe si, si ça ne correspond pas, si ça correspond pas à notre besoin. Ici, on rajoute d'autres colonnes, on peut y aller dans le détail, et lui, toujours automatiquement, il va proposer autre graphe. Donc, de manière automatique et simple, il va toujours nous guider pour mieux présenter les données qu'on a sélectionnées. Et toujours, on a les données de côté gauche. Donc, une fois sélectionné, on peut y aller dans le détail, et lui, c'est dynamiquement, il va nous proposer des vues par rapport à ces données. C'est super simple. Déjà, pour rajouter un filtre, il suffit juste de faire un clic droit et on a notre filtre tout à droite. Donc, c'est ça le grand avantage de l'outil, c'est qu'il est vraiment simple à utiliser. En 2 minutes, si on a les données déjà prêtes, on peut créer un tableau de bord. Et c'est ça le point fort de Tableau. En même temps, c'est le point aussi faible, car derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, quand lui, il fait des calculs de somme et tout, enfin, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il a fait. Donc, parfois, si on n'a pas les bonnes données, c'est vraiment compliqué de voir qu'est-ce qu'il a fait derrière. Voilà un petit exemple d'un tableau de bord sous Tableau Desktop. Donc, voilà, développé. On a interrogé une base de données PPM pour afficher les allocations par investissement. Le grand avantage aussi de Tableau, on a le Ask Data. C'est une option en ligne sur le serveur Tableau qui permet d'interroger directement les bases de données en écrivant un texte, enfin une phrase en anglais. Donc, et on aura directement la réponse en temps réel. C'est super pratique. Là, on a des liens pour accéder sur le site de Tableau. On a des liens pour accéder à des milliers d'exemples de rapports Tableau. Par exemple, ce tableau-là qui sur le Covid, il est développé 100% en Tableau. On peut faire des choses comme ça en utilisant Tableau Desktop. Et on trouve dans la galerie plein d'exemples. Les avantages de Tableau. Les avantages sont l'interface drag and drop intuitif et facile à utiliser, les performances, la grande communauté. Il suffit de poser une question en ligne sur la communauté et on trouve toujours qui répond, quelqu'un qui nous répond. L'inconvénient, c'est vraiment la formation, le consulting indispensable pour les analyses les plus complexes. Donc, on a besoin vraiment d'être formé pour faire des tableaux de bord compliqués. Et le tarif, c'est le plus élevé sur le marché. Le deuxième outil qu'on va présenter, c'est Power BI. Alors, Power BI, c'est un outil Microsoft. Il est déjà intégré avec la suite Microsoft Office 365. Donc, si vous l'avez, vous avez accès à Power BI gratuitement. Il est composé de trois softwares, donc le desktop pour développer le rapport, serveur pour visualiser les rapports en équipe au sein de l'entreprise, et APP, c'est l'application web pour visualiser les rapports sur le smartphone. Voici l'interface de Power BI Desktop. Avec cette interface, on va développer les rapports et les dashboards. Voici l'interface de connexion aux bases de données. Pareil, comme Tableau, il nous donne vraiment plein de possibilités de connexion. On peut même se connecter à des sites web comme Facebook, voilà, web, ou des OData, des bases de données Oracle, toutes les bases plus utilisées sur le marché. Un petit exemple de facilité, enfin, comme c'est facile d'utiliser le logiciel, il suffit juste de sélectionner à droite les colonnes qu'on veut intégrer dans notre rapport et on aura un graphe. Après, à tout moment, on peut changer. On a vraiment plusieurs choix là pour changer les graphes. Donc, c'est vraiment simple, moins simple que Tableau, mais il est simple à utiliser. Le point fort de Power BI, on a l'option Power Query intégrée dans Tableau Desktop qui permet de formater, de modifier nos données avant de les utiliser dans notre rapport. Donc, cette interface permet de modifier les données, les types de données, de formater, de rajouter du texte dans nos données, enfin de transformer les données avant de les utiliser. Et ça n'existe pas dans Tableau et dans Jaspersoft. Aussi, on a une bibliothèque de rapports qui s'appelle Place de marché, intégrée dans Power BI, qui offre des milliers de rapports gratuitement depuis cette interface.
qu'on peut intégrer dans nos rapports. Et ces rapports-là sont déjà testés par Microsoft ou développés par Microsoft. Donc ça, c'est vraiment le point fort qu'on ne trouve pas ailleurs. On n'a pas de limite côté graphique. Et sont vraiment très bien aboutis les graphes. Exemple de rapport qu'on a développé sous Power BI. Voilà un rapport qui représente les portefeuilles. On trouve vraiment plusieurs graphes. Enfin, c'est un tableau de bord. On trouve plusieurs graphes regroupés dans une seule interface. C'est vraiment adapté pour le visualiser en écran ou même l'imprimer en format A4. Un autre graphe qui présente aussi les portefeuilles. Donc, vraiment, côté graphisme, on a vraiment le choix. Ça, c'est présente les idées. Et il est interactif. Donc, quand on clique sur, par exemple, une idée, il va filtrer sur tous les graphes par rapport aux idées qu'on a sélectionnées. Donc, il est interactif. Et en temps réel, on peut sélectionner dans ce tableau quelque chose. Et on voit que les autres graphes, ils vont s'adapter à ce qu'on a sélectionné en temps réel. D'autres graphes de MyPortefeuille, juste pour montrer qu'on a vraiment le choix côté graphisme. Et là, on peut intégrer les filtres dans nos tableaux de bord directement. Ils sont tout en haut. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez l'Office 365, on a la version gratuite déjà inclue. Donc, on peut développer les rapports, les publier sur le web et accéder directement au serveur. Par contre, on ne peut pas la partager entre collègues, collaborateurs. On ne peut pas la partager. C'est pour ça qu'on doit passer à la version pro si on veut travailler en équipe. C'est vraiment le point bloquant par rapport à la version gratuite. Les avantages de Power BI, facile à intégrer, c'est l'infrastructure Microsoft. Il détecte automatiquement les dimensions et les mesures. Prêt à la licence, vraiment, c'est le moins cher sur le marché. Et même, on a accès à la version gratuite depuis l'Office 365. Communauté en croissance, vraiment, si on a des problèmes, on peut trouver de l'aide facilement. L'inconvénient. Pareil comme Tableau, il y a des coûts cachés. Si on veut développer des rapports, on a besoin d'investir sur les formations. Moins intuitif que Tableau. Pour les graphes, on peut développer plus rapidement sur Tableau que sur Power BI. Il dépend vraiment de l'infrastructure Microsoft. Par exemple, on ne peut pas utiliser le Power BI Desktop sur un Mac. Donc, on est vraiment obligé d'avoir Microsoft, le Windows pour utiliser cet outil. Et le dernier outil, c'est Jaspersoft. Donc, c'est une plateforme open source. C'est la plus utilisée grâce à ses outils d'analyse et de prise de décision en temps réel. Et surtout à Jaspersoft, l'outil de reporting, qui permet de faire de pixel perfect. Pixel perfect, c'est quoi? C'est des rapports pré-imprimés, très formatés, peuvent contenir des codes barres, des graphes, des images, mais on peut définir dans chaque pixel ce qu'on va mettre. Et ça, ce n'est pas le cas pour Power BI et Tableau, où on est limité par bloc. Et l'autre avantage de Jaspersoft, c'est qu'on a les domaines. C'est quoi un domaine? C'est pouvoir créer comme des petites bases de données dans l'interface serveur de Jaspersoft qui permet à donner à l'utilisateur que ce qu'il a besoin pour créer leur propre rapport. Donc, le développeur peut attaquer la base de données sur le serveur et créer des petits domaines. Et après, il donne la main aux utilisateurs finaux pour créer des ad hoc. Un ad hoc, c'est un rapport simple qui contient un seul graphe ou un tableau. Donc l'utilisateur final, il peut sélectionner les champs qu'il veut dans le domaine. Et après, créer son propre rapport sans avoir besoin que le développeur le fait pour lui. Sinon, l'autre option, c'est créer vraiment des rapports avancés en utilisant Jasper Studio. Jasper Studio, c'est l'équivalent de Power BI Desktop, qui permet de créer des rapports vraiment avancés. Mais pour ça, il faut vraiment avoir les compétences en SQL, c'est le développeur généralement qui le fait, pour créer un rapport studio avancé. Et à la fin,
l'utilisateur final ou le développeur peut créer un tableau de bord qui regroupe plusieurs ad hoc. Il mélange des ad hoc, e-studio ou des pages web aussi, du texte. Et tout ça, ça se passe sur Jaspers Server. Et c'est super simple à faire. Voici l'interface de Jaspers Server. Donc, on a la source de données où on va sélectionner nos sources de données. Par défaut, généralement, elle est déjà configurée quand on l'installe. Les domaines, c'est là qu'on crée les domaines. Donc, c'est des petites bases de données, enfin des vues de bases de données qu'on va donner la main aux utilisateurs final pour qu'ils créent leur propre rapport ad hoc. Donc, affichage à la demande, c'est là qu'on va créer les ad hoc. Et les rapports, c'est là qu'on va visualiser les rapports créés par l'affichage à la demande, les ad hoc, ou les rapports avancés créés par Jaspers Studio. Et aussi, on a le tableau de bord. On peut les créer là et les consulter aussi. Et administrateur, c'est pour administrer Jaspers Server. Voilà un exemple de rapport ad hoc que l'utilisateur final peut créer facilement s'il a le domaine vraiment formaté. Donc, pour le domaine, on va mettre des noms clairs ou champs. Donc, lui, il suffit de glisser les champs sur les colonnes là pour créer un graphe. Et aussi pour les filtres, c'est pareil. Il suffit juste de cliquer, sélectionner les filtres qu'on veut et on aura les filtres à droite. Donc, ça, c'est le point fort de Jaspers, c'est pouvoir créer des ad hoc facilement par des utilisateurs qui n'ont pas eu de formation presque. Ou juste former rapidement sur l'outil Jaspers Server. Un exemple de ad hoc qui regroupe un exemple de dashboard Jaspersoft qui regroupe plusieurs ad hoc. Tac, tac. Donc, on crée individuellement chaque ad hoc et après, on peut les regrouper et rajouter du texte en haut ou des icônes, des images. Et l'autre, enfin, et voici Jaspers Studio qui permet de créer des rapports avancés. Donc, il est vraiment plus compliqué que Tableau ou Power BI Desktop et demande des compétences en SQL et des connaissances en Java pour faire des rapports. Donc, c'est pas un utilisateur simple qui peut faire ça, c'est vraiment un développeur qui maîtrise l'SQL et un peu de Java qui va faire les rapports. Exemple de rapport qu'on a fait pour nos clients, là par exemple les aider, ces rapports-là, c'est ça l'avantage du Jaspers, c'est qu'on peut faire des rapports personnalisés. Chaque pixel, on peut mettre soit du texte, soit des images, des logos, et des conditions pour afficher ou faire des calculs n'importe où dans la page. Ça, ce qu'on ne peut pas faire dans Tableau et Power BI, mais on peut le faire dans Jaspers. Ça, c'est les tableaux, enfin, c'est les rapports Jaspers Soft avancés. Exemple fiche projet. On peut intégrer des graphes. Tout. Exemple d'un plan capacitaire qu'on a fait. Donc, on peut mélanger des graphes et tableaux. Exemple de compte rendu d'activité. Je vais présenter un exemple sur un rapport vraiment avancé sur une fiche projet au format A3 qu'on a fait et dont Jaspers, on a la liberté de choisir la taille de notre page. Par contre, dans les autres outils, non. Donc, dans Jaspers, par exemple, là, je présente une fiche projet vraiment riche d'infos qui regroupe une vingtaine de rapports de sous-requêtes. Et dans chaque pixel, on a fait une petite info, des calculs, des images. Vraiment, c'est complexe à le faire et tout, mais c'est faisable en utilisant Pixel Perfect sous Studio pour le développer. Donc, on peut mélanger des graphes, des tableaux. Et là, par exemple, celui-là, il est format A3, mais on peut faire à n'importe quel format qu'on veut, de manière dynamique. Donc, il ne va pas écraser le texte après et tout. Tout est dynamique. Mais ça, pour le faire, il faut avoir vraiment des compétences côté SQL et Java. Et maîtriser vraiment Jaspers Studio. Alors, pour les avantages et les inconvénients de Jaspers, c'est un outil de reporting très complet et open source.
surtout open source. Donc, il y a des entreprises qui exigent ça et l'utilisent car c'est les open source, donc on peut le personnaliser et rajouter des options par rapport à nos besoins. Les rapports sont dynamiques, ils peuvent être régénérés régulièrement et de manière automatique. Par exemple, on peut programmer un rapport pour enfin, régénérer de chaque matin et l'envoyer à des utilisateurs. Les graphismes sont très aboutis, même si on n'a pas beaucoup de choix. On peut ajouter des fonctionnalités poussées grâce à un système de script intégré. Par contre, il faut vraiment développer des scripts pour rajouter des options. Les possibilités sont infinies dans le rapport, car on a le pixel perfect. Donc, on peut personnaliser chaque partie de rapport comme on veut, rajouter des conditions, des couleurs, des images. Vraiment, on a la liberté totale dans Jasper Studio. Les inconvénients, les rapports doivent être, là je parle sur les rapports avancés, les rapports doivent être préparés par une personne possédant des connaissances en SQL et des notions en Java. Et le tarif, c'est à la demande, on ne trouve pas le tarif sur le web par rapport pour comparer avec les autres outils. Alors, comme conclusion, là, on compare les trois outils. Donc, côté tarif, là, on voit Tableau, il est à 70 euros par mois par utilisateur. Donc, c'est la version développeur, donc c'est Tableau Desktop, qu'on doit avoir au moins une version développeur et plusieurs versions user. User, c'est 35 euros par mois. Ça reste beaucoup plus cher que Power BI, qui est la version gratuite. Enfin, la version dev, c'est gratuit. Donc, Power BI Desktop, c'est gratuit. Pour les users, c'est gratuit si on a Office 365, donc, mais limité. Donc, on ne peut pas partager entre les users les rapports. Si on veut la version complète, la version pro, le tarif, c'est 8,40 € par mois par utilisateur. Sinon, dans Jaspersoft, la version dev, c'est gratuit. Et on a une version communautaire, c'est gratuit aussi, mais très, vraiment très limité. On n'a pas les domaines et on n'a pas les ad hoc. Sinon, pour une version complète, il faut faire une demande. Ou si on a déjà Clarity, c'est gratuit, intégré gratuitement par Broadcom dans Clarity. Le choix des graphes. Côté choix des graphes, Tableau, on a le choix, on a autour de 40 graphes. C'est vraiment les graphes les plus utilisés, mais c'est compliqué pour rajouter plus. Power BI, on n'a pas de limite. On a des milliers de graphes qu'on peut utiliser facilement. Jaspersoft, on est limité aussi, on a autour de 100 graphes. Mais voilà, si on veut rajouter d'autres graphes, on peut toujours développer, mais c'est lent et ça coûte. Les dashboards, dans les trois outils, on trouve des dashboards. Les rapports avancés comme dans Jasper, on ne trouve que dans Jasper. Et les domaines, on ne les trouve que dans Jasper. Présentement user, le plus simple à utiliser par les utilisateurs finaux, c'est Tableau et Power BI. Moins Jasper, ça demande un peu une petite formation avant de l'utiliser la première fois. C'est pas très intuitif. Présumé de développeur, pareil, Tableau c'est le plus simple à utiliser. Après c'est Power BI et le dernier c'est Jasper. Il demande vraiment des formations, des connaissances en SQL et Java pour l'utiliser. La communauté et la documentation en ligne, Tableau et Power BI, vraiment, ils sont complets, grande communauté, c'est facile à trouver de la doc. Et quand on pose une question, il y a toujours quelqu'un qui répond. Par contre, Jaspersoft, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise enfin, ou ils ne sont pas dans la communauté. La doc, il y en a, mais pas autant que Tableau et Power BI. Donc, parfois, si on tombe sur des problèmes complexes, c'est compliqué de trouver du lait. La possibilité de personnaliser les rapports ou les ad hoc qu'on développe, ou les dashboards. Tableau, il est vraiment limité. Il faut utiliser ce qu'on a directement dans l'interface. Le but de Tableau, c'était de faciliter au maximum le développement de Tableau de bord. Donc, il a limité le choix. Comme ça, il simplifie les choses pour tout le monde. Donc, c'était ça le but. Mais voilà. Donc, si on cherche à personnaliser vraiment nos tableaux de bord, il est un peu limité. Power BI, on a vraiment plus le choix, même si on est limité un peu, mais on a le choix.
J'espère vraiment, on n'a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut si on a les compétences et on maîtrise l'outil Jasper Soft Studio. Alors, c'est ça les trois outils. Et après, pour choisir l'outil, il faut vraiment voir le besoin de votre entreprise. Et nous, on peut vous aider à choisir l'outil qui vous convient le plus. Est-ce que vous avez des questions? Une question sur la réflexion pour qui amènera au choix de l'outil. Qu'est-ce qu'il faut que l'entreprise fasse pour bien identifier ou bien aider à faire le bon choix d'outil? L'entreprise déjà identifie le budget. C'est par rapport au budget, si on a un grand budget ou pas, et par rapport aux besoins des utilisateurs finaux. Si l'utilisateur finaux, il a besoin des tableaux de bord pour les afficher pendant les réunions, sur un écran et tout, c'est facile. Enfin, si on transporte bien les tableaux. Par contre, si on a besoin des fiches pour les imprimer, des fiches projet pour les imprimer après, les utiliser surtout en format papier et tout, ça serait vraiment Jaspersoft. Et voir si on a besoin d'un outil, il y a des entreprises qui exigent open source ou pas. Donc, si on veut open source, on va aller vers Jasper. Si on veut Power BI, en fait, si on veut les outils Microsoft, on se limite à Power BI. C'est surtout ça. Et vraiment, c'est par rapport aux besoins finaux, ce qu'on veut produire avec cet outil. D'accord. La partie. Oui. Et une dernière question. On a vu les outils de visualisation et de reporting. La partie alimentation de la base de données en amont, est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont liées à ces solutions-là? Tableau, c'est qu'un visualiseur, en fait. Il n'hébergera pas l'extracteur de base de données. Oui. Enfin, là, aujourd'hui, on a parlé sur juste des outils de reporting. Donc, c'est juste visualiser ce qu'il y a déjà dans la base de données. Par contre, Jasper, enfin, la TIBCO, il a d'autres solutions. C'est Talent qui alimente, qui crée des cubes. Microsoft aussi, il a sa propre solution. Et Tableau aussi, pareil, il a sa propre solution. Mais D'accord. c'est juste là, on se limite à des outils de reporting. OK. Donc, normalement, on est censé avoir déjà une base de données déjà prête pour faire ça, ou on va faire des requêtes pour ramener les données qu'on a besoin. D'autres questions? Ou pas? Ok, sinon je vous dis merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou nous contacter directement. Je vous dis merci et au revoir. Au revoir. Merci à toi.